Bonjour, je suis professeur Raven. Pourquoi j'ai fait un accent espagnol ou un truc comme ça, je sais pas. Je suis 100% français, un peu de portugais, on s'en fout. Bonjour et bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Je sais pas pourquoi je lève les mains. Je sais pas, c'est pour donner un petit peu de dynamique. Les amis, aujourd'hui c'est une petite vidéo. Je vous dis la vérité, j'adore prendre des idées de vidéos dans les magasins de jouets pour enfants. Ça va, non mais je le dis, voilà. Je suis tombé sur ce qui est censé être un jeu pour enfants, mais qui pour moi est trop bizarre, ok? Me demandez pas pourquoi, je vais vous le montrer. On va aujourd'hui le tester en avant-première. Mais non, parce que c'est sorti depuis des années, je crois. Je sais pas pourquoi ils mettent ça entre les mains des enfants. C'est peut-être un peu préventif, c'est bien. Je trouve ça très cursed, c'est trop bizarre. Les amis, voici une grenouille à disséquer. C'est pas une blague, c'est une grenouille. Regardez juste ici là. En vrai, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a tous fait ce cours en physique chimie. Je l'ai pas fait, je suis trop dégoûté en vrai, mais je suis bizarre un peu, ouais. En physique chimie, voilà, pour un petit peu apprendre le corps humain ou le corps pas humain, du coup animalier, hein, on pouvait disséquer. Il y en a, c'était des rats. Il y en a, c'était des grenouilles. Il y en a, c'était des humains. Bah non. Et évidemment, c'était des animaux morts, des réels animaux morts. Voilà, bon. C'est une façon un petit peu plus ludique, on va dire, de disséquer des animaux, vu que ce n'est pas des. Voilà, ce n'est pas des vrais, donc c'est cool. Ça n'empêche que je trouve ça un petit peu bizarre. Mais aujourd'hui, bienvenue en physique chimie, on va tester la dissection. Section grenouillère. Attachez-vous parce que ça va être incroyable. Le pack de luxe Super Lab inclut deux recharges de gel. Donc ça veut dire que je peux le disséquer deux fois. Mmh. Tout savoir sur la grenouille grâce au livret inclus. Avec système veineux et artère. Je suis tombé dans les pommes. Dissect it. Ok, kit de dissection fun et ludique. Fun et ludique. 6 ans et plus. 6 ans et plus. Ok les amis, bon, on va tester. Alors, on va l'ouvrir. Je suis un peu dubitatif quoi. Merde, mais j'ai ouvert à l'envers. Ben non, parce que c'est ça le devant. Ah là là. Ah non, c'est bizarre. Ok, et ça c'est pour refaire le petit gel. On a ici la grenouille qui est ma foi, qui pèse dans le game, on va pas se mentir, et qui est un peu lourde. Franchement, ça pèse bien 8 kilos. Non, bah non, ça pèse 500 grammes, je dirais. Alors, commençons. Ah, une petite loupe, pour voir. Oh, ça marche bien. Regardez comment ça marche bien en ça. On a des petits stickers ici qui vont nous permettre. C'est écrit quoi? Skull, ribs, torso. Oh, ok, pour noter tous les trucs. Ok, c'est super. Alors, pif à la catou. Il y a trop de lecture, j'en ai marre. Coller les stickers au niveau des réceptacles correspondants, voir le schéma ci-dessus. Oh, ok, let's go, allez, ça part. On commence par le brain plus eyes. Oh, c'est chelou ce qui va se passer là. Eh, mettre des petites gommettes là, c'est bon ça. Et je colle même pas droit, ça va. Waouh, ça méritait pas plus, on va pas se mentir. Pour commencer, la grenouille est prête pour la dissection. Il suffit de la sortir du moule et de la placer ventre vers le haut sur la table de dissection. Garder le moule dans un endroit sûr, il servira au moulage d'autres grenouilles. Ok, c'est maintenant les amis, on va déjà le mettre sur la table d'opération. D'accord. Ah, voilà. Ok. Attendez, faut que je la sorte là? Comment je fais moi? Je démoule comme un gâteau. Hein. C'est bizarre! Mais ça va, ça sent meilleur qu'une vraie grenouille morte. Hein, parce que quand je l'ai tuée quand j'étais petit, ça sentait pas ça. Hein. Tu mettais mon couteau là. On a tous fait ça, hein, j'imagine. Première incision. Ça y est, on est parti, les amis. On est là, c'est l'heure de la première incision. Attendez, je vous fais un petit zoom là. Ok. Première incision. Après avoir disposé la grenouille telle qu'illustrée ci-dessus, utilisez le scalpel et l'explorateur fourni pour couper les sections de la peau afin de révéler les organes internes et le squelette de la grenouille. Arrière, postérieur, de la mâchoire jusqu'à la queue. Partie caudale. Mais c'est censé être pour des enfants de 6 ans? Mais à quelle heure? Mais moi, je comprends pas. Une incision latérale peut être effectuée à partir de cette incision centrale. Je comprends rien. Médiane, afin de. Quoi? On en mate ou? Bon, je vois première incision. Bon, je vois, c'est écrit première incision ici. Voilà, on va pas tergiverser, on va aller tout droit. Hein. Le scalpel qui coupe sa mère, non, c'est du plastique. Hein. En plus, je fais ça de la main gauche pour que vous puissiez voir, les amis, parce que sinon, vous verrez rien. Ah, ok. C'est très bizarre. Ah là là, j'étais profond en lui. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Et hop là. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici les organes principaux de la grenouille que vous allez explorer pendant la dissection. C'est dégueulasse, il y a un bout de peau là. Et un bout de peau comme sur mon zizi. Nani nananou, mais moi je veux couper là, je veux couper des trucs. Le cœur de la grenouille est divisé en 3 chambres. Une chambre de 15 mètres carrés, une chambre... Mais c'est faux. Par rapport à plusieurs chambres, vous voyez ce que je veux dire, ça la vanne un petit peu Stéphane Plaza finalement. Donc 2 atriumes et 1 ventricule, à comparer avec les 4 chambres du cœur humain, constituées de 2 atriumes et 2 ventricules, ok? Bon, c'est quand qu'on dissèque là? Moi je vais retirer des trucs. Ah, mais y a pas d'étape à suivre en fait. C'est-à-dire, je dissèque, j'enlève, et c'est moi qui me débrouille, genre? Non. Non, mais je sais pas comment faire. Ah. Mais pourquoi vous faites ça, les enfants? C'est trop bizarre. Ah, ça se décolle beaucoup trop facilement. Mais j'en fais quoi en plus de la peau là? Je dois la manger? Attendez, je vais faire ça là.
Waouh, c'est bizarre. Ce n'est pas de la vraie peau, donc j'ai le droit. Regardez YouTube, c'est pas un vrai corps, hein. C'est un faux. On enlève toute la partie latérale, voilà, finalement. Et on est dans un Good Doctor ou quoi, là? Putain, écoute, ça a bien mon casse-tête. C'est comme un scalpel, mais pas mes questions. Le but, c'est de faire une seule tranche que je puisse mettre dans mon kebab, là. Voilà. Ah, ça dégoûte les rats! Vous êtes dit quoi en cliquant sur cette vidéo, genre? Ouah, il va... trop bien, il va disséquer une grenouille. Vous attendiez à ça, là? On fasse un cours de physique chimie pour 6 ans. C'est pour ça que j'adore YouTube. Et qu'est-ce qu'on a ici, là? Tac, regardez ce qu'on aperçoit ici. Olé! Je veux enlever ça, là, le truc bleu, là. Ça va, je fais pro. Allez, ah, les amis, regardez ce que j'ai ici. J'ai son avant-bras et son omoplate. Alors, évidemment, ça doit aller juste ici. On a rempli une case, c'est bien, déjà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir là? Putain, j'ai jamais disséqué une grenouille, du coup, comme je vous disais là. Et bah, je suis bien content, parce que rien que ça, c'est faux, tout est faux. Mais ça me dégoûte quand même. Donc j'imagine pas le vrai. Oh, regardez ce qu'on a là. C'est quoi? Un fil bleu. Il me semble que c'est ses veines. Effectivement, ce sont ses veines. Regardez juste ici, c'est ses veines. J'ai rien d'autre à dire. Ah si, les grenouilles ont un système singulaire. C'est pas ça qui est écrit, j'ai fait une faute. Les grenouilles ont un système sanguin circulatoire fermé, ce qui signifie que tout le sang dans leur corps est enfermé dans les vaisseaux sanguins. Comme vous le verrez dans le modèle, ces vaisseaux sanguins varient en taille et l'oxygène et les nutriments sont échangés à travers les plus petits. Papa, juste ici. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il me semble qu'on a le petit cœur, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah, c'est trop bizarre la partie là. Mais non, mais vivez l'expérience avec moi les amis, me laissez pas tout seul s'il vous plaît là. Imagine ça arrive en vrai ça. Voilà. Pourquoi il est tout plat? C'est vraiment plat comme ça un cœur de grenouille là? C'est vraiment plat comme ça un cœur de grenouille là? C'est un pendentif, c'est un collier, on est d'accord? Le petit cœur que je vais placer du coup juste ici. Vous le voyez pas? Il est juste là. Mettez sur stop les amis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le cœur de la grenouille. Je vous avoue, je vais pas vous faire un exposé, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Toussez pour voir. Vous... Qu'est-ce que vous avez comme souci, madame le grenouille? Ah, il vous manque votre cœur! Ainsi que vos bras et vos veines. Ah! Allez, 2 doliprane par jour et vous devrez. Ça, oh, ça devrait repousser, ça, y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, madame la grenouille, madame Frog, je peux vous appeler Frog. Hein. T'es crazy Frog ou quoi là? Pouah! Din 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 din. Wow, ton petit chibre ou pas, Frog? Parce qu'on voyait bien quand j'étais petit dans la musique là. Je veux ses jambes, moi. Hop là, donnez-moi ses jambes. Moi, je fais du trafic d'organes, y'a quoi? Ça se décolle bien là. Ouais, c'est bien. Attendez, je coupe. Hop, je coupe là. Voilà. Ça te fait pas trop mal? Tu sens rien? Ok, parfait. Oh, allez là! Une autre partie découverte. Nouvel endroit, achievement. C'est un cintre ou c'est comment? Je mets mes plus belles affaires de Barbie dessus. Non, mais je dois mettre les mains dedans, ça me dégue. Il suffit de gratter un peu, on va tomber sur des trucs, voilà. Ah, mais la loupe! Elle me sert à quoi la loupe? Pour y voir plus près? Bah écoutez, on va voir plus près. Qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ce que je voyais déjà. Super. Parfait. Est-ce que ça dirait de disséquer une grenouille? Ça me dégoûte limite plus que les grenouilles qu'on faisait au collège. Moi j'ai pas eu l'honneur de faire une vraie dissection. Ah, tu l'as jamais fait? J'ai jamais fait. Donc c'est une première pour moi et rien que ça, ça me dégoûte très très fort. C'est toi qui as enlevé genre ça? Exactement. Ça. Tu dois replacer en fait tout une fois dissection. Tu peux toucher la texture? Bien sûr, avec plaisir. C'est un peu dérangeant. Mais bizarrement, c'est également un peu satisfaisant. J'ai pas osé le dire. Est-ce que c'est ressemblant à la réalité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Tu veux rien et voir ça, et ça, donc tu peux acheter ça. Tu peux acheter ça et c'est. Ouais, et c'est 6 ans plus. D'accord. C'était à partir de 6 ans. Mais c'est utilisation unique, on est d'accord. Non, ok, j'ai un petit gel pour en fabriquer un deuxième. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est-à-dire que je le remonte ici et dans le moule qui est là, hop, je reforme une deuxième grenouille. Putain, pour redisséquer. Tu peux enlever un membre. Je peux peut-être. Il y a un ordre. Voilà, je pense. Peut-être enlever l'espèce. Ah non, ça me. J'ai touché avec mes doigts, ça me... Oh, le petit cœur, il est trop mignon. Il est plat, c'est bizarre, on dirait un pendentif. Je l'ai vu, j'ai dit je veux le tester. Oh, putain, on a ici l'estomac. Ah, c'est l'estomac. Ouais, c'est l'estomac, ça, que je vais placer. Ah oui, ça, c'est l'estomac, quoi, il a juste le côlon. Par contre, c'est pas mal pour apprendre, tu vois. Est-ce que ça existe avec d'autres animaux? Genre, tu peux disséquer un lapin? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Parce que moi, au collège, j'avais fait un lapin aussi. Moi, j'ai fait grenouille, lapin et poumon de porc. Oh, j'avais fait le poumon de porc. Que tu gonfles avec une paille. Et moi, il y avait un mec de ma classe. Il avait aspiré. Non, mais. Gerbé dans le jardin juste après. Mais normal, il a cru que c'était un Starbucks mocha blanc là. Ça me dégoûte. Ah, encore les voisins qui. Tain, sympa, non, c'est ça. Moi, j'ai mis ma voiture au milieu. Ah, d'accord, super. C'est pour un challenge YouTube. C'est vrai? Je vois jusqu'à quand. Et c'est chiant. Ouais. D'accord, bah écoute, c'est cool pour eux. Et bah voilà, merci, je voulais juste te montrer. Hein, franchement, bah amuse-toi bien. Et ouais, je vais finir pas ça. Que ce que tu fais, c'est un vrai métier. Let's go. Oui, bon, on a compris. Alors, c'est vrai que j'avais pas utilisé depuis tout à l'heure qu'Abby a inauguré les petits outils comme ceci là. Et ce petit outil aussi, c'est pour se curer le fiac. Genre, à tout moment, je peux enlever. Oh. Oh.
Ah, il y a tout qui est venu. Ah, qu'est-ce qu'on a ici, là? Quelque chose qui s'en dégage, regardez. Cette petite partie, là, qu'est-ce que c'est? Oh, l'air qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je viens de prendre le cloaque. Voici le cloaque. Je ne sais pas ce que c'est. Le cloaque forme l'extrémité de trois systèmes corporels différents. Les fesses... C'est pas ce que vous croyez. F-E-C-E-S. Les fesses provenant du tractus intestinal sont excrétées à cet endroit, tout comme l'urine qui vient de la vessie. Oh, ok, j'ai compris. Et voilà, juste ici. Parfait. Ah, j'en ai foutu du sang partout. Allez, on continue, hein. On veut tout, 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 on saura tout sur le kiki. Ah, faut que j'extrude là, mais ça me dégoûte un peu, je vous l'avoue. Ah, les poumons, je commence à voir les poumons. Tu vois, il a fumé, il a trop fumé. Regardez, il a trop fumé de nénuphar, là. Les poumons, c'est... Je vais pouvoir réussir à enlever sa tête, là. Pourquoi j'arrive pas à enlever sa tête? Alors, faut mettre les mains dedans, hein, comme on dit. Ah, ça arrive. Ah, ça m'a dégoûté, premier degré. Et voici sa tête. Là, par contre, ça me dégoûte un peu, je dois l'avouer. On a bientôt fini, les amis, hein. Promis, c'est... Regardez, il nous reste presque plus rien, là. Ouais, regardez ce qu'on a, là. On a le deuxième... les artères, là. Je saurais jamais comment la remonter, par contre. Il nous reste, les amis, le dernier, le tout dernier, qui est juste ici. Et on a ici le torse. C'est terminé, si je dis pas de bêtises. Il ne reste plus rien que de la peau, là. Allez. Et voici le résultat, les amis. Voilà, donc ça, c'est le plat préféré des Français, la grenouille. Les cuisses de grenouille, je sais pas, il y a un bail avec ça. Hein. Vous avez déjà remarqué? Non, ça me fait rire parce que ça faisait un petit peu ambiance podcast, là. Voilà, ça me faisait rire. Et voilà la grenouille, les amis. Totalement... Mais c'est très très instructif, les amis. Je fais tout ça pour la vanne, on est d'accord, les amis. C'est le divertissement, on est content. Mais c'est très très instructif pour qui veut l'apprendre, tout simplement. Merci, les amis, d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'était très bizarre, mais j'ai quand même apprécié. Je l'avoue, je suis un peu bizarre. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mes familles. Ça me ferait très très plaisir. Si vous avez d'autres idées de concepts un petit peu farfelus comme ça, des petits jouets d'enfants, des trucs un petit peu comme ça, j'adore le faire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai grave heureux de reproduire ce que vous me dites. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, les amis, c'est très très important, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Raven, ciao ciao.